Cannes 2023, Anna Biolay accusée d'être une Nepo Baby, elle se fait harceler sur les réseaux sociaux. Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d'être la fille de et de surcroît n'avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler, elle lit qu'elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère. En d'autres termes qu'elle est grosse et laide et qu'elle n'a rien à faire dans le paysage cinématographique français. Je la regarde belle comme le jour devant moi, d'une gentillesse, d'une intelligence et d'une clairvoyance incroyable pour son jeune âge et je vois comme cette ultra-sensible jeune femme souffre de lire de telles méchancetés. Elle ne prend la place de personne. Elle a passé 5 ans de casting, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films, elle ne sort pas de la rue, certes, mais elle n'a pas à subir tant d'ignominie du haut de ses 20 ans. Je suis choquée de voir ce que des mères de famille peuvent écrire sur les réseaux sociaux, à quel point l'aigreur peut entraîner le pire de l'être humain.